dans une récente vidéo publiée et largement diffusée sur les médias sociaux, on peut clairement distinguer le général Jean-Marie Michel Moukoko entouré de sa famille en prison. Une image, un courage d'un homme d'État, droit dans ses bottes. C'est nous qui avons rentré avec. Ah bon, ils ont des consignes. Ils font tout pour eux. Il appartient aux patriotes congolais de voir en cette figure politique exceptionnelle un appui pour lutter efficacement contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Jean-Marie Michel Moukoko, quel qu'il en soit l'issue de son sort, le peuple congolais reconnaît en lui un exemple, un modèle, une icône qui a su dire non au despote Denis Sassou Nguesso face à l'instrumentalisation du tribalisme d'État. Il est l'un des rares politiques et officiers de l'armée congolaise à dire à haute et intelligible voix ce que pense tout bas la majorité. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Que vous inspire en réalité la force et le courage de Jean-Marie Michel Moukoko, un homme d'État, un homme qui a défié le tribalisme d'État du dictateur Denis Sassou Nguesso? Il a dit non au changement de la Constitution en 2015. Jean-Marie Michel Moukoko a plus ou moins largué Denis Sassou Nguesso et l'a rappelé que la dignité passait avant l'impunité. Jean-Marie Michel Moukoko, un exemple pour toute la jeunesse congolaise. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon?